Madame Judith Bizarre, Madame Léa Bizarre, Monsieur Isaac Reva, survivant de la Shoah, Monsieur Philippe Braunstein, Monsieur le Président André Ducrot, Monsieur le Pasteur Marc Pernaud, membre de la Congrégation de l'Oratoire du Louvre, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers amis, merci d'être ici. Je vous prie d'accepter les vœux de paix, de santé et de bonheur que vous adresse la Fondation Raoul Wallenberg, que j'ai l'honneur de représenter en ce lieu et jour. Il s'agit d'une ONG éducative ayant des bureaux et des correspondants à New York, Buenos Aires, Berlin, Jérusalem, Londres et Rio de Janeiro. Elle est présidée par l'homme d'affaires argentin-arménien Eduardo Eurnekian. Son créateur est M. Baruch Tenenbaum, qui a fait partie en 2009 des candidats au prix Nobel pour la paix. Candidature qui voulait rendre hommage à ses efforts incessants en vue du dialogue interreligieux. Sachez que plus de 300 chefs d'État et des personnalités des sciences et de la culture, lauréates du prix Nobel, soutiennent notre fondation. Notamment le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et Jorge Mario Bergoglio, alias le pape François, comptent parmi ses membres. Permettez-moi de rappeler ici brièvement qui fut Raoul Wallenberg, car malheureusement, en France, on tend à ne pas le savoir. Né en 1912, issu d'une prestigieuse famille suédoise de banquiers et d'hommes d'affaires, il fut envoyé à Budapest à l'été 1944 en qualité de diplomate suédois, car c'est un pays neutre dans le conflit, avec pour mission d'essayer de sauver le plus de juifs possible de l'extermination nazie. Sur place, il délivra de faux passeports, fit l'acquisition d'immeubles sur lesquels il arbora le drapeau suédois et qu'il remplit de fond en comble avec des persécutés, accomplit maints gestes héroïques d'une portée supérieure aux accomplissements les plus audacieux d'autres sauveurs. Il parvint à préserver environ 100 000 juifs de l'Holocauste. En 1945, il fut arrêté par l'armée rouge qui avait occupé la Hongrie, et ce qui lui arriva ensuite, malgré nos requêtes répétées, n'a toujours pas été rendu public. Même sa date de décès reste à ce jour incertaine. Depuis plus de deux décennies, la Fondation Raoul Wallenberg, attentive à la composante pédagogique d'événements historiques spécifiques, donne des présentations dans le monde entier, notamment dans les écoles, qui mettent en exergue ce que l'on pourrait appeler le côté lumineux de l'Holocauste. Nous considérons en effet
que les exploits de ceux qui ont aidé des êtres humains en détresse doivent perdurer bien au-delà des témoignages écrits et se convertir en source d'enseignement pour les générations présentes et futures. La solidarité et le courage civique sont les piliers éthiques qui régissent le travail de la Fondation Raoul Wallenberg, non seulement par rapport à ce qui advint à l'époque de l'Holocauste, mais également en recherchant et en rendant hommage à d'autres épisodes similaires du passé et du présent. Son actuelle bannière est le programme éducatif Maison de vie, qui a comme objectif recenser, rendre hommage et diffuser les gestes d'institutions ou d'individus qui aidèrent les persécutés pendant l'Holocauste. Dans cette optique, des plaques libellées Maison de vie marquent les lieux publics et privés, des couvents, des monastères, des églises, des écoles, même des maisons particulières, où des victimes des nazis et de leurs alliés purent trouver abri, nourriture, médicaments et amour fraternel. Plus de 70 ans après la fin du conflit mondial, cette initiative vise à remercier tous ceux qui se trouvèrent en première ligne et risquèrent tout, notamment leur vie, afin d'aider leurs prochains, qu'ils voulaient voir comme un être humain, un frère ou une sœur, non pas comme une race inférieure qu'il fallait coûte que coûte exterminer. Déjà, de nombreuses plaques ont été dévoilées auprès d'institutions religieuses en Italie, Rome, Florence, Leonessa, La Strassigne, en Grèce, sur l'île d'Erekoussa. Bientôt, ce sera dans des lieux en Belgique, Hongrie, Pologne, Danemark, et aujourd'hui c'est au tour de la France. Venons-en à ce lieu lumineux qui nous accueille aujourd'hui. En 1933, le ministre protestant Paul Vergara devient pasteur de cet oratoire. Résistant pendant l'occupation, épaulé constamment par son épouse Marcel, il a œuvré sans relâche pour sauver des Juifs. Son histoire va être racontée successivement, je ne vais donc pas en parler. Sachez qu'en 1988, monsieur et madame Vergara ainsi que Marcel Vergara ont été déclarés justes parmi les nations au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem. L'assistante de monsieur Vergara, Marcel Guillemot, l'a été l'année suivante en 1989. Il s'agit là de la plus haute distinction honorifique délivrée par l'État d'Israël à des civils. Afin de la mériter, je rappelle qu'il faut ne pas être juif, évidemment, avoir sauvé au moins un juif de l'Holocauste, ne pas avoir accepté de récompense ou compensation matérielle et avoir placé sa propre vie en danger, l'assistance juive étant alors considérée un crime par les nazis. En France, près de 4000 personnes ont été formellement identifiées comme justes, mais leur nombre est incontestablement supérieur, car de nombreux sauveurs voulurent rester dans l'anonymat. D'ailleurs, dans la crypte du Panthéon, on peut aujourd'hui lire l'inscription suivante. Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des lumières par milliers refusèrent de s'éteindre. Nommés juste parmi les nations, ou restés anonymes, des femmes et des hommes, de toutes origines et de toutes conditions, ont sauvé des juifs des persécutions antisémites et des camps d'extermination. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Que le courage, la foi et la détermination du pasteur Paul Vergara, de son épouse Marcel Vergara et de son assistante Marcel Guillemot soient honorés à jamais. Qu'il en soit ainsi.
Merci aux représentants de l'ambassade de Suède et de l'ambassade d'Argentine. Merci de leur présence. Merci au pasteur Marc Pernaud, au président du conseil presbytéral de l'Oratoire du Louvre, André Ducrot, qui ont accepté de recevoir la plaque commémorative Maison de Vie que nous allons dévoiler dans quelques instants. Donc c'est Philippe Brunstag. Merci. Aurions-nous été résistants ? Le serions-nous si la situation l'imposait ? Comme l'ont été ceux qui que nous allons évoquer. Pasteur de l'Oratoire du Louvre, paroissien connu ou anonyme, c'est par eux et dans ces lieux qu'ont été conçus et pratiqués des actes de résistance à l'oppression. Résistance spirituelle par la prédication continue entre 1940 et 1944. Résistance civique par une attitude confessante face à l'humiliation de la défaite et à ses conséquences. La collaboration avec l'occupant et la persécution des Juifs en France. Résistance politique par des actions clandestines qui ont fait de la Clairière, comme centre social des Halles créé par l'Oratoire du Louvre, un des sièges secrets du Conseil national de la Résistance. Engagement payé cher, parfois jusqu'à la mort. Le pasteur Vergara plonge dans la clandestinité en 1943. Son épouse est incarcérée. Leur fils de 17 ans est déporté à Buchenwald. Leur gendre est mort à Mauthausen en 1944. Suzanne Spack, qui avait imaginé le sauvetage des enfants juifs à la Clairière, est fusillée par les Allemands en août 1944. Comme l'ensemble des Français, les protestants parisiens étaient divisés. Mais depuis 1936 et les conférences de l'oratoire, le temple était devenu un lieu d'appel à la vigilance morale et républicaine. Et les pasteurs Bertrand et Vergara ne cessaient de prêcher pour une défense spirituelle de la démocratie. En 1940, leur détermination fut totale. Elle s'est exprimée par des textes qui furent publiés, par des lettres officielles et par des prédications qui leur ont permis, du haut de la chair, face à une assistance qui comptait des Allemands, d'exprimer des appels à la résistance sur le thème opposer à la violence les armes de l'esprit ou mieux vaudrait une France morte que vendue. Le 16 juin 1940, premier culte dans Paris occupé depuis l'avant-veille, le pasteur Bertrand donne pour consigne à l'organiste titulaire Marie-Louise Giraud, si des troupes allemandes défilaient rue de Rivoli avec musique militaire, de jouer le psaume 68, dit le psaume des batailles, qui avait été cher aux camisards au XVIIe siècle. Vous tirerez tous les jeux et remplirez le temple d'un tel vacarme que personne n'entend rien. Le 10 juillet, jour où sont votés les pleins pouvoirs au maréchal, le pasteur Bertrand écrit « Le mal n'est pas d'être vaincu, le mal est de perdre son âme. » Le dimanche 14 juillet 1940, en chaire, le pasteur Bertrand parle longuement de la France et déclare « Il y a des silences qui sont à la fois des lâchetés et des mensonges. Il ne saurait y avoir place pour de tels silences dans la chair de Jésus-Christ. » Le 3 novembre 1940, le pasteur Vergara prêche sur le texte de l'Ecclésiaste « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Il appelle les fidèles à lutter en lion et à ne pas vivre comme des chiens. Le 16 mars 1941, le pasteur Vergara prêche sur le thème de la constance de Job, un véritable manifeste politique. Job, d'abord assommé par la douleur de l'épreuve, se réveille et argumente violemment contre ceux qui le plaignent en légitimant son malheur. Vergara fustige ceux qui appellent les chrétiens à tout accueillir les mains jointes, comme si la violation du droit devait être acceptée avec humilité et patience. Inutile d'objecter le texte de saint Paul sur la soumission aux pouvoirs établis, car, dit-il, il n'y a pas de se soumettre au législateur lorsqu'il est le ministre du démon pour notre perte.
Inutile de se référer à la fameuse phrase du Christ « Rendez à César ce qui est à César », car il y a des biens que nous n'avons pas à rendre à César parce qu'ils ne lui ont jamais appartenu. Dans son rapport d'activité lu le 30 mars 1941, le pasteur Bertrand fixe les devoirs d'une église chrétienne. L'église doit tenir son mot d'ordre de Dieu seul. Si elle dévie de ce principe, elle est esclave des hommes. C'est ce que les prophètes d'Israël auraient appelé son adultère. Certes, le christianisme n'a pas de patrie, mais le chrétien en a une, et des devoirs sacrés envers le peuple dans lequel Dieu l'a fait naître. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux exigences de la vie chrétienne, car le devoir de l'Église envers l'âme nationale, c'est de la rendre capable de résister aux entraînements d'une démagogie haineuse ou égoïste. L'année suivante, lorsque tous les Juifs âgés de 6 ans et plus sont astreints à porter une étoile jaune à partir du 7 juin 1942, le pasteur Bertrand, vice-président de la Fédération protestante de France, rédige une lettre que le président Buckner lit et remet au chef de l'État, seule protestation connue d'une église contre le port de l'étoile jaune, atteinte à la dignité des personnes. Et le 7 juin, qui est justement un dimanche, Bertrand prêche sur la première épître de Pierre. Si quelqu'un parle, que ce soit comme il convient à la parole de Dieu. Depuis ce matin, dit-il, nos compatriotes israélites sont assujettis à une législation qui froisse dans leur personne et dans celle de leurs enfants les principes les plus élémentaires de la dignité humaine. Nos paroles sont pratiquement inopérantes. Nous ne le savons que trop. L'Église de Jésus-Christ ne saurait se laisser guider par des considérations subalternes. Il y a des choses qui doivent être dites, elle les dit. Il y va de quelque chose de plus que son honneur, il y va de l'honneur de Dieu. La protestation est adressée à l'ensemble des pasteurs et par conséquent à l'ensemble des fidèles de France. Elle devient collective, publique, nationale. Tous les hommes sont par droit de naissance enfants de Dieu et les races sont toutes l'objet de la même sollicitude de Dieu. Le péché de l'homme se manifeste en orgueil de race, en haine de race, en persécution et en exploitation d'autres races. L'Église est appelée par Dieu à s'exprimer sur ce sujet sans équivoque. Puis c'est la rafle du Veldiv, 16 et 17 juillet 1942. Le pasteur Bertrand prend sur lui d'écrire au délégué général du gouvernement de Vichy auprès des autorités d'occupation. Une Église chrétienne manquerait sa vocation si elle laissait semer des germes de haine sans élever la voix au nom de celui qui a donné sa vie pour abattre toute séparation entre les hommes. Déclare porter seul la pleine responsabilité de cette lettre devant l'Église comme devant les autorités. Désormais, d'autres formes d'intervention ont pris corps. Elles exigent silence et clandestinité. Les pasteurs de l'oratoire appellent les chrétiens à porter la souffrance des autres sans dire « à chacun suffit sa peine ». Et les engagements pris par nombre d'anonymes attestent la puissance de l'exemple donné par la parole et par les actes des pasteurs du temps de guerre. Merci beaucoup, Philippe. Merci à chacun de vous de vous être rendu disponible pour ce temps de mémoire. Merci à la ville de Paris et ses services qui ont autorisé la pose de cette plaque sur l'oratoire du Louvre. Mais surtout, merci beaucoup à vous, cher monsieur Alexis Bulgari, venu, merci d'être venu d'Athènes pour cet événement. Merci pour votre parole. Et à travers vous, l'Église protestante de l'Oratoire du Louvre remercie avec émotion la Fondation Raoul Wallenberg que vous représentez. Alors c'est un peu confus que nous avons reçu cette distinction, bien sûr. En effet, Raoul Wallenberg est une immense figure, un faiseur de miracles pour sauver un nombre incalculable de personnes. Alors comment est-ce que l'Église de l'Oratoire du Louvre pourrait être reconnue comme digne d'être associée à un nom comme Raoul Wallenberg ? Mais peut-être néanmoins est-ce une bonne idée, justement parce qu'un héros comme Wallenberg est trop hors de portée finalement pour nous identifier à lui, alors que ces personnes de l'oratoire, dans un certain sens, qui ont donné un coup de main, étaient des personnes normales qui se sont senties concernées par ce qui arrivait à leur prochain. Et que finalement ces exemples-là peuvent servir de miroir pour nous-mêmes et nous encourager à des gestes qui sont à notre portée aujourd'hui.
Alors je ne rappellerai même pas l'épisode du 16 février 43 où le pasteur Paul Vergara et la directrice de la clairière, Marcel Villemot, organisèrent l'évasion de quelques 70 enfants juifs dont les parents avaient déjà été capturés et qui allaient être eux aussi emportés en déportation. Parce que même cela finalement nous semble difficile à imiter. Et ils ont reçu pour cela déjà le titre de juste parmi les nations. Mais le titre de maison de vie que décerne ici la fondation Raoul Wallenberg, elle est donnée collectivement à des anonymes de l'église de l'Oratoire du Louvre, à ces familles, à ces personnes individuelles dont nous sommes incapables de donner la liste car elles nous ont considéré comme normal de participer au sauvetage d'enfants juifs comme sans aucun mérite, ou considérant que ça aurait été le contraire de ne pas le faire qui aurait été anormal, exceptionnel. Alors je connais une de ces familles qui ont accueilli de ces enfants. Je peux vous dire que c'était une famille tout à fait normale en fait, puisqu'en fait c'est mes grands-parents, en toute modestie, je peux le dire puisque je n'y suis absolument pour rien, que je n'ai ressenti aucun risque, aucune fatigue à ce fait, étant né 15 ans plus tard. Donc il y a plein de familles comme cela à l'oratoire et qu'elles ne s'en sont ni vantées ni l'ont cachées. Donc mes grands-parents se sont vus confier par les pasteurs de l'oratoire des enfants à plusieurs reprises, pas simplement le 16 février 43, mais pendant plusieurs mois, presque un an, pendant donc quelques jours, pendant quelques semaines parfois, parfois un seul enfant, parfois une fratrie entière, pour juste le temps que l'on puisse trouver un moyen de les faire sortir de Paris et de leur trouver une maison où ils pourraient trouver un abri en France, quelque part en Normandie, dans les Cévennes ou ailleurs, et puis aussi les fonds collectés auprès des paroissiens de l'oratoire pour payer donc leur pension. Alors des enfants de tous les âges, tantôt un peu grands, puis tantôt des nourrissons, ce qui rendait l'opération un peu plus risquée parce que le concierge de l'immeuble était un peu collabo sur les bords et antisémite. Et puis dans ces immeubles parisiens, nous le savons encore, bon, on entend tout ce qui se passe à l'étage d'en dessous, à l'étage dessus et à côté. Et donc il fallait ne pas trop sortir, ne pas sortir du tout avec ses enfants, rentrer discrètement, sortir discrètement. Alors chaque passage dans l'escalier, bien sûr, était un risque. Alors mes grands-parents ont fait une seule exception à la règle de rester, de garder ses enfants secrètement dans l'appartement. C'est pour venir au culte de Pâques ici, le 25 avril 43. Alors ils sont sortis avec leurs enfants et une petite de 7 ans qui leur était confiée. Alors elle a été fort impressionnée par le pasteur dont on voyait juste le haut du corps dépasser de la chair parce que mes grands-parents arrivaient peut-être en retard, comme ça se fait traditionnellement. Et donc la petite, elle disait « Mais je l'ai vu, le bon Dieu, il n'a pas de jambes et il bouge les mains. » Alors c'était un de ces pasteurs qui forçait la voix puisqu'il n'y avait pas de micro à l'époque. Alors cette petite, devenue grande dans les années 80, est repassée voir ma grand-mère avec sa propre fille. Un autre de ses enfants est passé aussi après-guerre pour remercier, mais nous ne connaissons pas le nom de tous ces enfants qui sont passés. Alors sans doute un parmi tous ces enfants a essayé de faire donner la médaille des justes à mes grands-parents, mais comme il fallait remplir des papiers pour recevoir cette médaille, mon père a jeté ses papiers sans les remplir en disant qu'ils n'avaient pas fait ça juste pour recevoir un prix. Et donc voilà l'histoire d'une famille toute ordinaire, ni plus pieuse, ni plus dévouée, ni plus courageuse que les autres. Alors cela nous appelle à aucune fierté, puisque nous n'y sommes absolument pour rien et que ces familles elles-mêmes considéraient ça comme normal. Mais cette normalité même nous renvoie bien évidemment à notre vie quotidienne pour avoir un regard modeste, mais néanmoins peut-être prophétique, sur des gestes, des paroles que nous pouvons, à notre mesure, porter dans ce monde qui en a tant besoin. Alors merci Monsieur Alexis Bulgari, merci à la Fondation Raoul Wallenberg de distinguer ces familles anonymes de l'Oratoire du Louvre. Alors il y a bien des sources d'inspiration qui ont motivé ces héros grands ou tout petits que votre fondation nous permet de découvrir. Un peu d'humanité suffit en général, un peu d'idéal peut aider encore plus. Et puis ces familles de l'Oratoire, elles étaient aussi aidées, comme vous l'avez indiqué, par leur foi, par leur recherche d'interpréter la Bible, ses paroles anciennes, comme nous concernant directement aujourd'hui et nourrissant un sentiment de libre responsabilité. Par exemple, ce psaume de la Bible, vieux de 3000 ans, qui appelle à lever son regard, ce qui n'est pas propre aux croyants, mais qui peut s'adresser à tout philosophe, tout humaniste et tout croyant de bonne volonté.
et puis à se laisser inspirer par Dieu à des actes de solidarité. Psaume 121. Psaume des montées. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui veille sur toi ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur ses enfants. L'Éternel est celui qui veille sur toi, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde tout mal, il garde ton être. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Alors bien entendu, pour que ce projet de Dieu se réalise, il a besoin de la participation de chacune et de chacun. Je vous remercie et je laisse donc à André Ducrot, le président du Conseil presbytéral, et à M. Alexis Bulgari, le soin de dévoiler cette plaque. Elle est déjà dévoilée. Elle est déjà dévoilée. Et c'est déjà dévoilé. Donc, vous pouvez venir à un petit temps de partage, un petit cocktail dans la grande sacristie de l'oratoire. Alors, nous avons prévu donc que la nourriture soit cachère pour que les amis juifs qui seraient venus puissent participer avec nous à ce temps de partage fraternel. Merci pour votre présence. Ça, c'est quand justement l'Église a expliqué l'histoire du bâtiment. Nous avons encore. Oui, alors lui, il n'était pas c'est des juifs, mais en tant que descendant. Thank you.
remercier, j'espère à bientôt. On aura l'occasion de se revoir. Madame, merci. En tout cas, merci, merci transmission de l'histoire. Et cette plaque, elle va nous servir, je l'espère, à ne pas oublier. À ne pas oublier. Merci. Merci. Parce qu'on est d'histoire. C'est vrai. Vous avez une histoire commune.